Elle est l'une des coureuses les plus scrutées du Tour de France femmes. Juliette Labou, 23 ans, porte les couleurs tricolores sur la compétition. Dimanche, elle s'est élancée de Paris pour une première étape au cœur de la capitale reliant la Tour Eiffel aux Champs-Élysées. La native de Besançon qui fait partie de l'équipe des SM a quelques titres à son actif, sur le Tour d'Italie ou lors des championnats de France, en juin dernier. Et lorsqu'elle ne fait pas du vélo en compétition, Juliette Labou sillonne les routes avec son plus fidèle compagnon et acolyte, son petit ami. Comme elle, Clément Berthet est un professionnel du cyclisme et fait partie de l'équipe AG2R Citroën. Et entre les passionnés de deux roues, cela fait 6 ans que ça dure. Nous sommes mieux ensemble, aime à dire les tours pro sur Instagram. Et pour relever le défi du Tour de France femme, le tout premier pour Juliette Labou, la jeune femme peut compter sur le soutien sans faille de son compagnon âgé de 24 ans. Encore une semaine à regarder la télévision pour supporter ma Juliette Labou sur le premier le Tour des femmes, écrivait-il sur Instagram. Quand Juliette est quelque part, Clément n'est jamais bien loin. Les cyclistes féminines sur le petit écran originaire de Longchaumois dans le Haut-Jura, Clément Berthet vit aujourd'hui à Montfaucon, dans le Lot. Sa mère est institutrice dans la petite commune où il a grandi et son père y tient un gîte. Le jeune homme a fait ses débuts dans le cyclisme à Luc Moret, puis à WC Dornan. Recruté par la team pro AG2R Citroën, après avoir quitté Delcomi 2021, il espère un jour s'élancer lui aussi un Tour de France. Ce lundi, les coureuses du Tour de France femmes relient la ville de Meaux à Provins, pour une étape de 136,5 km. Ce mardi, elles iront de Reims à Épernay, puis de Troyes à Bar-sur-Aube pour la quatrième étape qui s'étendra sur 127 km. La finale aura lieu le 31 juillet, de Lure à la Super Planche des Belles Filles, station sportive du Massif des Vosges. Jusqu'où ira Juliette Labou? Affaire à suivre.